Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2. Alors il est assez tard pour moi, terminer la mission Fureur sur Io, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Exceptionnellement, j'ai envie d'arrêter un petit peu la quête principale, voilà, parce que je veux me rendre ici, le fragment du voyageur, essayer de trouver ma nouvelle doctrine. Il est assez tard pour moi. Il va falloir que je réduise le bruit que je fais à un moment ou à un autre, on va bien voir. Mais en tout cas, j'ai envie de tourner ça un petit peu. J'ai envie de jouer. J'ai énormément envie de jouer, ça fait quelques jours que je passe beaucoup de temps à monter. Pour avoir un petit peu d'avance, je vais me prendre une petite semaine là pendant la première semaine de novembre. Pour revoir, retrouver les copains. Et tout, du coup, profiter un max. Encodage en surcharge. Encore cette forêt. Le moins qu'on puisse dire, c'est que notre dernière visite ici était assez mémorable. Ah, ça m'affiche un truc intéressant. Bon. Du coup. Par où est-ce? Par là. C'est parti. Allons-y. Alors, je sais pas trop ce que je cherche, ce que je fais, mais... allons-y. Soyons fous. En tout cas, il y a de la vie. Je dois admettre que j'aime bien ces environnements. Alors, je sais pas si la nuit tombe sur la Terre... s'il y a un cycle jour-nuit. Si c'est le cas, génial. Presque dommage qu'il y ait autant de luminosité. Pas dans le sens effrayant, mais dans le sens ambiance. Faut savoir que pendant longtemps, longtemps, je n'ai pas apprécié les rues de nuit. Enfin, les grands espaces de nuit, comme beaucoup de monde. Hein, c'est une frayeur naturelle. Moi, maintenant, j'y suis bien habitué. J'aime beaucoup ça. Rouler de nuit, marcher de nuit, j'adore. Ok. On a tous nos petites. Ok. Cette atmosphère est vraiment des plus agréables. Hey, vous avez vu ça? Là-bas, de la lumière. Où ça? Où ça? Ah oui, là-bas, oui, effectivement, il y a de la lumière. C'est plus clair au sol là-bas. Intéressant. Ok. Certains des plus grands titans ont défini la charge. Seigneur Shax, Saint 14, Waning. D'accord. C'est en plein désert que mon spectre m'a trouvé. Et m'a fait revenir à la vie en tant que titan. D'accord. J'étais morte, très loin de la civilisation. Très loin de n'importe quel outil que j'aurais pu utiliser pour me défendre. J'avais la frêle armure. Le gantelet, on a trouvé, nous. Et je devais marcher pendant des milliers de kilomètres pour atteindre ce qui était, selon elle, ma nouvelle maison. D'accord. Nous avons rencontré bien des périls. Bonjour. J'écoutais une histoire. Pourquoi venez-vous me déranger? C'est fini? Bon. Attention, les déchus. Je t'ai vu me courir dessus, je me suis dit qu'il allait pas le faire, qu'il allait douter. C'est bon, vous vous êtes calmé ou faut que je continue à vous... Oh, j'ai pas essayé le pistolet. Ouais, faut que je m'approche un petit peu, je pense. Hop. Qui ose? Boum. Ah bah voilà, c'est ça que je voulais voir. Est-ce que ça me fait des dégâts? Sans doute. Ok. En tout cas, ça pète de partout. À tel point que je vois plus les... Je perds les ennemis de vue. Voilà. On est bon. Et donc un espèce de deuxième portail, ok, voyage un petit peu onirique. Donc j'imagine avec une deuxième histoire. Alors fallait que je continue à m'approcher. Oui, je pense qu'il va y avoir une deuxième histoire. Je crois que ces projections de lumière pourraient bien être des enseignements. Des bandits d'abord, avec des fusils qu'ils avaient trouvés je ne sais où. Ma deuxième mort fut... terrifiante. Je dirais presque...
sous un ciel étoilé. Non, c'était un personnage... Et l'homme qui m'avait tué m'a regardé avec des yeux ébahis. Et j'ai éclaté de rire. Moi, immortel, je pourrais faire n'importe quoi. Alors je me suis ruée vers lui. Un corps indestructible, c'était ma meilleure arme. Bien plus puissante qu'un fusil qui peut s'enrayer ou qu'un couteau qui peut s'émousser. Chaque coup de poing et chaque coup de pied rendrait l'arme plus puissante encore. C'est moi qui ai enseigné ça aux assaillants. D'accord, doctrine des assaillants. La façon la plus sûre et la plus rapide pour un gardien de gagner. Et pas doctrine des sentinelles. C'est de foncer vers le danger. De ne pas. J'aime bien. Sur le principe, j'aime bien. Vous êtes à la fois l'éclair et le tonnerre qui le suit. Vendu. J'aime bien ça. Même si... Avec les assaillants au premier plan, la Légion Rouge n'a aucune chance. Coucou. Nous sommes les titans de la dernière cité. Nous sommes des assaillants. Et rien ne nous arrêtera. Oui, chef. Ok. Autre lumière. Oui. Ça, c'est le moment où tu sautes dans l'ultime. J'ai entendu avant même de le voir. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai aperçu une explosion de bleu à l'horizon. Quand il est tombé, c'est comme s'il avait emporté le ciel avec lui, me dispersant moi et mon équipe dans le vent, nous laissant pour morts, jusqu'à ce que nos spectres nous retrouvent. Ils nous ont réanimés. Super chargé, tombe bien. Puis, il n'a dit qu'une chose. Il a dit, dites-moi ce que vous avez appris. Ok, la suite. Encore un fragment du voyageur. Mais nous ne sommes pas seuls. Ah bon? Ah oui. Ça n'a pas pardonné cette histoire encore. Ah oui, d'accord. Donc, je tue quelque chose. L'explosion tue autre chose. Ça continue à exploser. Exemple. Bon, trop près. Dommage. Pas assez près, pardon. Ok. Qui ose? Super chargé, ça fait deux fois. Ils me l'ont déchargé? Oh, pardon. Excusez-moi, vous êtes très... Vous allez pouvoir me... Ah, merde. Non? Enfin, je me trompe peut-être, hein. Boum, voilà, on l'avait dit, le coup de poing c'était la vie. C'est une dame qui le dit, alors quand c'est les dames qui le disent, on y croit. Monsieur? Monsieur le dernier? Ah non, vous n'êtes pas le dernier. Hop. Je vous ai entendu. Compris pas encore, mais entendu oui. Ce fragment nous a mené jusqu'ici. J'en suis persuadé. Bah écoute, interagissons avec lui. Voyons voir. Oh, des licornes! Non, c'est pas vrai, c'est pas des licornes. Ouh là là. Brrr, boum! C'est pas celle qui me tente le plus, voyez-vous. Mais bon, je ne vais pas vous spoiler. Mais c'est pas celle qui me tente le plus. Équipement verrouillé. Ok, défendez le fragment. Ok. Hop là. Voilà. C'est ce que j'apprécie dans cet ulti. C'est que c'est un ulti, autant un ulti de sauvetage. Qu'un ulti de dégâts. C'est-à-dire que. Regardez. Je vais les laisser faire s'il est pas tout seul pour le faire. Voilà. Faites-moi des dégâts, allez-y. Voilà. Allez, un peu plus. Vous faire mieux que ça, voilà, bon. Et boum. Et voyez, tout ce qui était dans la zone a été monumentalement rect. Ah, même si après c'est du OS, hein. Alors du coup, oui, mes grenades ont changé aussi, j'imagine. Il va falloir que j'y fasse attention. Hop, merci. Voilà, get rect une fois de plus, hein. Alors je vais prendre quand même ce qui m'appartient. Faut pas. Alors faut défendre le truc, mais faut reconnaître qu'il est pas des masses agressées non plus.
Oula, c'est la fuite ou... Bonjour. Ok. Il va recharger une fois de plus. Hop les. Vous allez voir. Boum. Vous voyez ce que je veux dire? Au-delà d'être un... d'être un truc à dégâts, un rouleau compresseur. Boum. C'est un sauvetage. Et je trouve ça assez intéressant comme principe. Qu'il puisse y avoir une frayeur de, vous savez, de tellement pousser l'ennemi à bout. Hop là. Get wrecked. Qu'il en vienne à utiliser ce truc là, quitte à vous détruire, vous et votre équipe. Comme ça par exemple. Oula, j'étais un peu... Par contre c'est un peu long hein, là, sans vouloir vexer mes ennemis. Alors c'est très bien, hein, ça me fait de l'XP mais... Non. C'est bon. Détecte des communications de déchus. Quoi ? S'il y avait besoin que ce soit aussi long. Je veux dire, c'est du massacre là, c'est ni plus ni moins que du massacre. T'as cru vraiment que ça ferait quoi que ce soit? Hop là. Et boum. Ah t'en veux pas hein. Allez voilà. Get wrecked. Si c'était un moyen de tester, je trouve que t'en es très bien sorti. Oui. Je suis d'accord. Bon bah voilà, get wrecked hein, en masse. How to get wrecked enemies. Just by smashing them, littéralement, hein. y a pas d'autre façon de le dire. C'était rigolo, cela dit. Mais bon, si je m'étais attendu à ça, je m'attendais presque à un... Et donc du coup c'est une bonne surprise, vous savez, hein, vous avez réussi. Prenez ça, vous êtes maintenant plus fort. Mais bon. Je suis sûr que le voyageur nous a volontairement menés jusqu'à la forêt. C'est incroyable que même corrompu, un fragment ait toujours autant de puissance. C'est dire. C'est dire, c'est dire. Enfin bon. C'est potentiellement pas ce que je... ce que j'utiliserais. Équipement déverrouillé à balle, hein, apparemment. Changer de doctrine. Oui, bah oui, je me doute. Voilà, et là je suis sur la doctrine adéquate. Bayesien Msu. D'accord. Je vais l'équiper, il est plus efficace que le mien. Bon, ça c'est toujours ce que j'ai de mieux, 134. Reste ce que j'ai de mieux. 135, là j'ai 136, j'équipe. Là j'ai 133, là j'ai 135, j'équipe. Là j'ai 117, donc là 134 c'est cool de récupérer. Et donc j'ai une puissance de 135, ce qui n'est pas mal. Disons que ce n'est pas mal. Mais c'est toujours pas la doctrine qui m'intéresse. Mais bon, why not. Toujours le clan au cas où vous voudriez rejoindre. Moi je vais vous laisser là pour cet épisode, maintenant que ça c'est fini si je puis dire. Et je vous retrouve la prochaine fois pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.